Salut, salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous partager encore l'audio d'une sœur togolaise qui est en détresse. Une sœur togolaise qui a besoin de notre aide. Vous savez, dans la vie, soyons honnêtes. Je ne connais pas la version du monsieur, mais c'est la jeune fille qui va nous expliquer le problème qui se passe dans son couple. Actuellement, elle est en Côte d'Ivoire. Elle a eu un enfant avec un Ivoirien. Et l'Ivoirien, là, ne veut pas que la mère de l'enfant vienne voir l'enfant. Même communication, simple communication, le monsieur interdit la femme même à rentrer en contact avec son propre fils. La famille, vous qui avez des enfants, nous qui avons des enfants, on connaît bien la douleur d'un enfant. Et elle dit non, c'est son premier même tiers là. Vous, mais vous savez très bien. La fille même en question, elle m'a dit non que oui. Souvent, elle est là, ça lui passe dans la tête de se tuer. Mais elle réfléchit, elle pense à son fils. Et puis, elle laisse tomber, elle dit non. Se tuer, c'est comme elle donne la victoire au père de l'enfant. Mes frères et sœurs, vous qui avez des bras longs, quand on dit bras longs, vous qui avez des relations. Vous qui avez vraiment des relations, voici aujourd'hui, voici nos jeunes sœurs qui sont en détresse. Il est temps de venir au secours à la jeune sœur. Parce que, on n'a pas dit, elle-même a dit, qu'elle n'a pas dit, elle va prendre cet enfant-là pour aller au Togo. Non. Quand même, néanmoins, même si elle a assez aimé de venir voir son enfant, c'est mieux. Même si elle a assez aimé de venir voir son enfant et puis elle se retourne, où elle vit présentement, où elle vit, c'est mieux. Parce que c'est couper même du pont même de l'enfant pour dire ne pas avoir les nouvelles de l'enfant, ça fait tellement mal. On va écouter son histoire bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici l'audio. Bonsoir, chers parents. Je voudrais vous expliquer mon histoire. Je suis une jeune fille de 25 ans. Tout a commencé lorsque j'ai perdu mon père. Moi, j'ai perdu mon père très tôt. Je n'ai pas pu faire mes cours. Je suis pas allée à l'école. Je suis venue travailler à Abidjan. J'étais servante. J'ai travaillé des années et des années pour pouvoir envoyer de l'argent à ma famille pour que ma mère prenne soin de mes petites soeurs et mes petits frères. Je suis l'aîné de ma famille. Je suis venu me chercher à Abidjan, c'est dans ça. J'ai croisé un homme. Tout allait bien entre nous. Vraiment, tout allait bien. Je l'aimais beaucoup. J'étais avec lui parce qu'il ne pouvait pas me promener en garçon comme mes autres camarades. Je suis restée lorsqu'on s'est connu. Je suis allée m'installer chez lui. Sans que même il ne connaisse ma famille, je suis allée m'installer chez lui. Dans ça, on a commencé à. Tout allait bien. J'ai pris une grossesse. La grossesse est tombée. La première grossesse est tombée. Et j'ai pris. 3 mois plus tard, j'ai pris une deuxième grossesse. En tout cas, ce n'était pas facile. Pour moi, ce n'était pas facile. En tout cas, il avait perdu son travail. Tout allait mal. En tout cas, tout allait bien entre nous. Et quand il a perdu son travail, je suis allée rester en famille depuis le moment de ma grossesse jusqu'à 7 mois en belle famille. Je suis allée rester là-bas. En tout cas, ce n'était pas facile pour moi. Après, je suis revenue 7 mois plus tard. Je suis revenue rester chez un de ses amis, c'est là-bas, je suis restée. Avec ses soeurs, tout allait bien. En tout cas, là-bas, j'étais plus en l'aise. Et on partait à la prière à chaque fois. Dans ma grossesse, là-bas, il partait dans la prière. Et un jour, un homme de Dieu, on est invité, j'étais à 8 mois, on a invité un homme de Dieu pour venir. Et quand l'homme de Dieu est arrivé, en tout cas, il a prié pour beaucoup d'hommes. Et après, il est venu vers moi, il dit, mais madame,
dit, qu'est-ce qui se passe sur ton foyer? Cette non, papa, il n'y a rien. Il dit, mais depuis je passe auprès de toi, ton enfant pleure pour dire, ah, tonton, faut aider ma maman, tonton, faut aider ma maman souffre. C'est ça, je lui ai dit que non, ah, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas, chez le père de mon enfant, il a perdu son travail, ça ne va pas, je suis en belle famille. Et il m'a dit que ta belle famille dit que non, tu es une femme de malheur, que non, tu es étrangère. Et il ne veut pas que leur fils marie étranger. Moi, je suis togolaise. Je ne suis pas ivoirienne, je suis togolaise. Je suis née au Togo, mais j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Que ta belle famille dit non, tu es étranger. Que de ne pas, les fils vont te marier. Dans ça, je suis restée. L'homme de Dieu m'a dit qu'il y aura un jour là où le père de ton enfant te dit que non, vraiment, il ne veut plus de toi, de partir de la maison. Mais ne va pas, à cause de ton enfant, reste, ne va pas. Parce que si tu t'en vas, ça allait mal pour ton enfant. Ne va pas. Et quand il a fini de pas m'a donné 10 000 sur le champ, il dit non, ah, va manger, que 3 jours après, t'envoies l'argent, tu vas payer le berceau de l'enfant. 3 jours plus tard, il m'a envoyé 50 000 francs, et ça, il a fait le couche de l'enfant. Et c'est là où j'étais, on l'a appelé pour dire, ah ouais, c'est que l'homme de Dieu a dit par rapport. Donc vraiment, il a dit non, ah, ça ne veut pas, parce que ça n'allait pas arriver, qu'on va m'en prier. Je suis revenu, quand j'ai fini d'accoucher, 2 mois plus tard, je suis revenu là où on était. Tout allait bien. En tout cas, tout allait bien. Maintenant, un coup, on a déménagé. Son travail l'a envoyé à l'intérieur du pays. On est parti. Quand on est parti, en tout cas, au début, tout allait bien. Arrivé un moment là où ils ont commencé à augmenter son salaire. Ça a commencé à aller. Il a changé complètement. Je suis revenue. J'étais à la maison là-bas. Souvent même. En tout cas, il ne me calculait pas dans la maison et il est revenu travailler là où, dans la ville, on l'a fêté que pas encore les parties l'avoir de travailler. Et quand on l'a mis là-bas, il a changé de comportement. Quand je l'appelle, même, il était bizarre. Souvent, même, il peut faire 1 mois, 2 mois, même d'arriver là-bas. Et quand il donne l'a de manger, il peut donner, il donne 5 000, 4 000 pour la semaine, mais l'enfant, en tout cas, ça n'allait pas. Mais dans ça, je me suis, j'attendais mon cœur, je priais toujours Dieu pour lui, pour que Dieu le bénisse, pour qu'il gagne plus encore. Je priais Dieu pour lui. Mais un coup, un jour, un de mes camarades qui m'a appelé pour me dire que vraiment, le père de ton enfant a dit à mon mari qu'il ne veut plus le toi. Je dis, ah, mais pourquoi il dit le père de moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas été parlable ni rien. Mais pourquoi il dit qu'il ne veut plus le moi? C'est ça, il dit, mais pourquoi il dit qu'il ne veut plus le moi? Je ne comprends rien. Et je l'ai appelé, justement que j'étais énervée sur le champ, je l'ai appelé pour lui poser la question. Il me dit oui, qu'il veut plus de moi, il veut récupérer l'enfant. En tout cas, ça m'a vraiment blessée. Ce jour, j'ai pleuré, j'ai coulé de l'amour. Donc, qu'est-ce que j'étais fait? Je lui ai demandé pardon, regarde à cause de notre enfant. Il dit non, il veut plus de moi. J'ai pleuré, j'ai appelé nos pasteurs, j'ai appelé ses parents pour les expliquer. J'ai appelé son papa, j'ai appelé tout le monde de sa famille. Et on l'a appelé. Il a dit non, il dit il veut plus de moi. En tout cas, il ne peut pas forcer dans la relation, il ne peut rien dire. Après, il a dit ok, on ne peut pas forcer de l'amour, il dit tu n'es pas de moi. Je ne peux pas te forcer à rester avec moi. Et je priais en silence et demandais à Dieu de changer son cœur, de changer sa décision. Mais ça n'allait pas. Il ne me calculait plus. Il ne me calculait plus. Et après, il m'a dit qu'il a déménagé. Il a déménagé encore pour aller dans la ville là où il était. De là, tout mon cauchemar a commencé. Il a changé même complètement. Il a changé même complètement. Il ne voulait même plus m'entendre, rien. Quand je lui parle même là, il ne voulait même plus m'écouter. Il me parlait mal. Il m'insultait, il me disait les paroles vraiment qu'un homme ne doit pas dire à une femme. Il me blessait avec ses paroles, mais j'ai supporté à cause de mon enfant. J'ai attrapé mon cœur à cause de mon enfant, je suis restée. Et quand on a déménagé pour partir, un jour, il vient me dire que non. Il m'appelle un bon matin.
Il m'a dit qu'ils ont cherché quelqu'un à la gare, une nounou à la gare, il a pris une nounou au village. Il s'est dit, mais tu prends quelqu'un pour venir sauver l'enfant sans m'informer. Il dit, si elle est dans la maison, et c'est quoi pour toi? Il me dit, moi je n'ai rien à dire. Celui qui fait, celui qui est l'homme dans la maison, celui qui prend sa décision, il a le droit de faire ce qu'il veut. Avec son argent, il a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, je n'ai rien à dire. Il a dit que non, c'est vrai. Je n'ai rien à dire, mais je suis la mère de l'enfant. J'ai plein de droits de parler aussi, ce qui ne va pas. Il dit non, moi, je n'ai rien à dire. Celui qui est le père, il a pris sa décision. Si il veut de l'envoyer là où il peut l'envoyer, il ne peut rien faire. Je ne peux rien faire. Celui qui est le père, il a pris sa décision. Moi, je ne peux rien dire. Il a commencé à me parler mal, à m'insulter. Et même vu la nounou arriver, quand la nounou arrivait, en tout cas, moi, je l'ai pris. En tant que soeur, il me lève matin, il fait les ménages dans la maison, il fait tout. Et quand la nounou m'a vu comment j'étais bien, elle m'a dit que vraiment, tante, je ne savais pas que mon tonton était comme ça. Il m'a dit que tu étais dans la maison. Il m'a dit que l'enfant est seul avec lui, que tu n'es pas là, que tu es parti en voyage. C'est ce qu'il a dit à la nounou. Elle savait que vraiment, que j'étais là, elle n'allait pas venir parce qu'elle n'est pas venue du tout. Une fois, il non. T'es déjà venu, il faut laisser. C'est lui qui t'a dit ça, non, laisse. T'es déjà venu, il faut laisser. Et je l'ai parlé. Quand je l'ai parlé, elle m'a dit que vraiment. Je l'ai parlé doucement, elle est restée. Et il m'a dit, mais on va rester quelque part là où tu peux rester. Au moins 3 jours pour voir si l'enfant va pouvoir rester à la nounou. Et je suis venue rester chez une de mes soeurs. J'ai fait, je suis chez une de mes soeurs les 3 jours. Je l'ai appelé pour dire non, ah, il va venir, comment ça se passe? Il me dit que non, si tu veux venir, tu viens, tu ramasses tes affaires, tu t'en vas. Que non, ce n'est plus la peine que tu restes dans la maison. J'ai dit, mais comment tu peux venir de partir comme ça? De partir où? Je n'ai personne ici. C'est toi, je suis venu rester, de partir où? Il me dit non, ce n'est pas son problème, de partir là où je peux partir, ce n'est pas son problème. Il est venu ramasser mes affaires dans sa maison, il va partir. Et lui, il a trouvé qu'il poursuivait son enfant. On a trouvé qu'on poursuivait son enfant, donc ce n'est pas son problème de venir chercher mes affaires et me partir. Donc moi, j'ai resté pour pouvoir prier pour que nous ne me soyons pas partis à la maison. Depuis les vacances de l'année passée jusqu'à aujourd'hui, ça sent dans un an, je n'ai pas encore vu mon enfant. Je lui parle, il s'est dit que je n'ai personne, que je suis étrangère, je suis togolaise. Donc il peut faire ce qu'il veut, je ne suis pas allé à l'école, je ne connais pas la loi d'ici, je ne sais pas ce qu'est la loi d'ici. Il dit, je ne sais pas, je n'ai personne. Quand j'étais élu, je voulais apprendre un métier, il a refusé tout. Je ne sais plus quoi faire, je n'ai personne ici. Je suis resté avec lui, je pouvais faire ma vie comme mes autres camarades. J'ai tout ce qu'il faut comme une fille doit avoir, une femme doit avoir. Dieu m'a donné tout, la forme, la beauté, tout. Mais je n'ai pas utilisé ça pour pouvoir avoir les hommes. Je suis restée. J'ai demandé à Dieu de me donner un homme là où je dois rester tranquille et rester avec mon homme, faire mes enfants. Mais ça n'a pas marché. Et un de ses amis qui était avec nous à la maison m'a appelé que ah, viens chercher ton enfant. Parce que là où je vois le monsieur, là où il est rentré, là vraiment, c'est pas bon pour ton enfant. Je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Quand j'étais là-bas, même je voyais la monnaie qu'il faisait la changer, pas tes plats d'église. Il faisait les trucs dans la maison, mais quand je voyais les médicaments bizarres. Mais comme je prie, souvent même quand je vais à l'église, il se plaint. Vous venez mon enfant dans l'église, il se plaint, il voulait même plus que je parte à l'église. Mais je ne regardais pas son comportement, je partais toujours à la prière. Je partais toujours à la prière. Mais il ne voulait pas que je parte, mais je ne regardais pas ça. Je priais pour mon enfant, je priais pour moi. Et son ami, que je suis avec lui dans la maison, vraiment, que nous, quand on vivait à la maison, là-bas, vraiment, tu étais bien avec moi. Malgré tout ce qu'il faisait, tu étais bien avec moi. Au lieu de te dire la vérité, le père de ton enfant, il n'est pas bon. Il va chez les marabouts, il fait médicaments. Il faut faire les trucs, il faut tout apprendre ton enfant. Il lui a dit comment il va faire. Je n'ai personne. Il dit non, moi je n'ai pas de droit sur l'enfant, celui qui est le père. Je ne connais pas la loi d'ici. Je vais partir au sud. Actuellement, tout c'est l'argent. Tu vas partir ici, il n'y a pas l'argent, on ne te calcule pas. Je ne sais pas comment faire. Je n'ai pas quelqu'un devant moi, je n'ai personne derrière moi. Je suis seule à ma charge, je suis seule sur ma tête, je n'ai personne. Chef, parents, s'il vous plaît, aidez-moi. Les mamans, s'il vous plaît, aidez-moi. Si tu as cœur d'une mère, les papas, si tu as cœur
D'un père, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. Je n'ai personne, je ne sais pas comment faire, je n'ai rien. Je n'ai rien. Ma mère, même si elle compte, si elle me ment, je n'ai même pas. Je ne peux même pas expliquer mes problèmes à ma mère. Parce que ma mère pense que je suis ici, en Côte d'Ivoire, ici, je suis heureuse, j'ai de l'argent, je n'en vois pas. Attends, ce n'est pas le cas. Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre soutien, votre prière. J'ai besoin de vous pour que au moins vous m'appelez même pour me consoler. Je ne sais pas quoi faire. Un moment même, j'ai pensé même à me suicider. Je ne sais pas, je n'ai personne, je ne sais pas comment faire. C'est mon premier enfant, c'est mon fils seul qui était mon espoir. Actuellement, je n'ai rien. Où je vais partir pour me plaindre? Aidez-moi. Il s'est dit que je suis étrangère. C'est pour cela qu'il se comporte comme ça envers moi. Il s'est dit que je n'ai personne. C'est pour cela qu'il se comporte comme ça envers moi. Chers parents, aidez-moi. Si moi-même je faisais quelque chose pour subvenir à mes besoins, même c'était bon. Mais je n'ai rien, je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi, chers parents. Je n'ai personne. Devant moi, je n'ai personne derrière moi. Et c'est le nom de ma famille. S'il vous plaît, chers parents. S'il vous plaît. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire, s'il vous plaît. Je suis abandonnée à moi-même. Je n'ai pas de père pour me conseiller, pour me dire quelque chose. Je n'ai personne. Je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi. Je ne sais plus quoi faire, s'il vous plaît. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que la jeune sœur traverse en ce moment. Cette jeune sœur, vous savez, dans la vie, ne dit pas que jamais, jamais. Ne dit jamais, jamais, jamais. Aujourd'hui, c'est cette dame, c'est cette jeune fille qui est en train de traverser un moment difficile. Il y a des hommes, surtout il y a des femmes qui traversent les mêmes conditions. Mais je ne sais pas pourquoi ne pas donner assez à une mère de venir voir son enfant. Je ne sais pas pourquoi une mère ne peut pas donner assez à un père de venir voir son enfant. Ça vous coûte quoi? Nos parents n'ont pas fait ça. Depuis, nos grands-parents et nos parents n'ont pas fait ça. Mais nous, cette génération-là, nous, on préfère, non, moi, c'est moi qui garde l'enfant. Hein. Toi, à partir de Dieu, même avant de venir voir l'enfant-là, mais tu dois m'avertir d'abord. Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. C'est pour cela, regardez très bien. Nos relations, ça ne dure jamais. Nos relations ne durent jamais. Parce que on n'est pas mûr d'esprit. On n'est pas mûr d'être ensemble. On préfère dire, j'ai fait enfant à telle personne, c'est fini. Et il passe à autre chose. Non. Non. Mes frères et sœurs, il est temps d'aider cette dame. Il est temps d'aider cette jeune fille. Elle dit, elle vit seule ici. Sa maman est au Togo. Son papa est décédé. Ses parents, si tous ses grands frères, ses grands, eux tous sont au Togo. C'est elle seule qui est ici. Ses parents pensent qu'elle vit à l'aise. Vous, mais vous savez que quand tu es dans une relation et tu as eu l'enfant, tu ne sais pas tout, tu vas dire à ta famille. Mais si ça ne va pas, tu es obligé de les faire croire que ça va. Mais elle en souffre. Elle en souffre. Aujourd'hui, c'est elle, ça arrive. Demain, ça peut t'arriver. Mes parents, voici cette jeune sœur qui a besoin de nous aider. Qui a besoin, simple, elle dit simple, elle veut communiquer à son fils. Simple, si elle peut aller voir son fils, au moins ça, son fils va dire, ah, voici ma mère, là. Mais jamais. On lui est privé tout ça là. Elle n'a même pas assez aimé d'aller, mais c'est méchant. C'est très méchant. La famille, faisons beaucoup, 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 très attention. Oui, faisons beaucoup, très attention. Aujourd'hui, l'enfant va grandir sans sa mère. Et le monsieur, elle a dit, comment le monsieur, moi j'ai dit toujours dans mes vidéos, quand je parle, je ne connais pas la version du monsieur. Mais néanmoins, priver une mère de ne pas venir voir son enfant,
de ne pas être en contact avec son enfant, mais moi, je trouve ça méchant. Elle a dit, ce monsieur, voyez ce qu'il fait, voyez ce qu'il fait. Là, je ne connais pas son parcours. Mais ce n'est pas joli à voir. Devine dit et devine dit à telle personne, il ne faut pas tu vas voir ton enfant. Mes frères et sœurs, je ne peux pas trop parler dedans. Aidons là, aidons cette jeune fille de mettre ta soeur père dans le même problème, de mettre ton frère père dans le même problème. Soutenons-la. Soutenons-nous vivants avant d'attendre que oui, si la personne meurt, puis on va dire si elle savait. Si elle savait, elle n'a pas de queue. Il est temps de s'entraider pour aller de l'avant. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Laissez des commentaires ce que vous pensez. Et je vous dis à très bientôt.